Allez, faut croiser les gars, faut croiser. Allez, on croise, de la tête. Oui, c'est le but. Yo tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Grand Match sur FIFA 14. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept de cette série, c'est tout simplement que je vais essayer de prédire à Destiny de jouer le match du dimanche à 21h qui passe sur Canal+. Donc cette semaine c'est Monaco qui reçoit chez lui au stade Louis II, donc le FC Nantes. Donc pour une fois je vais pas prendre le club qui est le moins fort, je vais prendre le club de Monaco pour changer un peu. Parce qu'ils ont des plutôt bonnes performances... rien que sur FIFA, les joueurs de Monaco, et techniquement, ils sont plutôt pas mal, donc je vais essayer de les garder pour pouvoir faire des beaux petits trucs techniques. Donc voilà, donc dans cette vidéo, j'ai pas trop de sujet principal, je vais juste vous parler un peu d'un petit concept que je vais essayer de lancer sur ma chaîne. Oh, coup franc de merde. Je vais essayer de lancer un petit concept sur ma chaîne, je vais vous expliquer ça brièvement, mais de toute façon, il y aura une vidéo présentation pour cette série. Donc, je vais pas trop vous en dire, mais voilà, c'est histoire de parler un peu pendant la vidéo. Je vais pas vous laisser un petit gameplay comme ça, sans rien dire. Donc, c'est parti. Hop, stade Louis II. Alors là, ce que je trouve génial quand même, c'est bien au stade Louis II. Ce que je trouve génial, c'est que le stade, en réalité, même quand ils reçoivent Paris ou des équipes comme ça, Monaco, le stade est toujours vide, mais sur FIFA, le stade est plein à craquer. Ils ont même rajouté des places qui n'existent même pas sur le jeu. Donc voilà, ils exagèrent vraiment tout sur FIFA. Il y a des stades, des fois, il n'y a jamais de monde dans le stade. Mais sur FIFA, le stade, il est plein à craquer, comme par hasard. Bon, on va essayer de faire un bon petit truc. Hop, voilà. Oh là 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 là. Donc oui, oh la vache, ça va pas. Donc concernant le concept de la petite série dont je vous parlais tout à l'heure, en fait c'est une série où il y aura des invités. C'est-à-dire, je vais lancer une annonce. Et c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui m'enverront des messages par la page Facebook pour savoir s'ils veulent participer à ce petit concept de série. En fait, c'est une série où on raconterait, où on décrirait, où on raconterait le pire prof qu'on connaît, c'est-à-dire le prof que vous avez peut-être en haut. Au bahut et tout, donc vous le décririez, vous raconteriez ses manières, la pire fois, le pire cours avec lui, franchement la fois où vous êtes fait renvoyer de cours par cette personne, vous avez pris une mise en garde, enfin plein de petites conneries comme ça, ça peut être sympa, et donc moi j'ai plutôt pas mal d'idées à propos de ça, donc moi pour ma part, ah le salaud il s'est blessé, donc on va faire ça, on va changer Ricardo Carvalho, donc Carvalho il est défenseur central, ok. Et donc on va mettre Eric Abidal à sa place, c'est parti. Donc oui, donc moi pour ma part, je vais vous faire une vidéo exemple de ça, c'est-à-dire où je vous parlerai de ma prof de musique, parce que c'est vraiment... Voilà, désolé de le dire, mais de toute façon, tant vous n'aurez pas de soucis, vous avez beau parler de votre prof de musique, même si votre prof regarde la vidéo, tant que vous dites pas son prénom, vous ne pourrez pas avoir de soucis, si elle veut, voilà. Après, il y a toujours des cons qui aimeraient porter plainte et tout, mais tant que vous dites pas son prénom, il n'y aura pas de soucis pour vous. Donc voilà, tout simplement, je vous parlerai de ma prof de musique qui est vraiment affreuse, enfin c'est... J'ai jamais rien vu de pire. Et donc voilà, je vous en parlerai dans une vidéo. Donc voilà, le but c'est vraiment que vous parliez et que vous défouliez en parlant de cette personne. Vous pouvez parler de ses manières, ses petits réflexes, c'est son attitude qui vous plaît pas, comment qu'elle s'habille, ses défauts, tous les petits trucs qui vous énervent, tous les petits trucs qui font rire tellement c'est stupide chez cette personne. Enfin vraiment, voilà, plein de petits trucs que vous pourriez parler. Et franchement, je pense que ça peut être une série plutôt fun et plutôt drôle de vous faire faire partager à moi et les autres personnes qui regarderont ces vidéos. C'est voilà, ces personnes que vous détestez tant. Hop, voilà, on déborde. Ismat Mirin, il croise. Eh non, c'est loupé. Attention. Eh non, c'est loin. Oh là. Le mec, il a arraché la main du gardien, c'était pareil quoi. Oh là là. Non, un peu. Non. Allez, on y va en mode Rambo. Là. On va lui déchirer la jambe. Allez, on y va en mode Rambo. C'était pas ma guerre, colonel Trotman. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On passe aux choses sérieuses maintenant. Allez, c'est parti. Allez, on déborde. Oh la vache, le salaud! Il a dépassé Berbatov hyper facilement, le mec. Non, mais attends, oh, je vais me venger, ma gueule. Oh, t'as cru quoi? Bon. Oh là là là.
Je vais encore me la refaire prendre comme un con. Eh putain, deux fois les gens. Sérieux là? Eh, c'est terrible ça. Ah là là. Attention à cette perte de balle au milieu. Allez, on part en profondeur avec Germain. Il tire. Non, il tire pas. Eh non, c'est loupé. Putain, et sérieux, ils sont solides, hein, les défenseurs de Nantes. Ils sont solides physiquement. Putain, ils tiennent le coup. Hein. Surtout quand t'as Berbatov qui arrive devant. Mon gars, tu prends peur. Hein, mais non, pas. Bon. Alors, Vigneault. On va te déchirer la jambe, mon gars. Non, pas toi. Allez, on te déchire. Non, on te déchire pas la jambe. Bon, je vais te la casser. Hop. Ah ouais, j'ai dit que j'allais fort et effectivement j'y suis allé un peu fort, donc c'est un coup franc pour eux. Mais ouais, là franchement j'y suis allé un peu. Je suis pas allé qu'au dos de la cuillère comme on dit, parce que le mec est tombé d'un coup sec. Oh là 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 là, c'est passé juste au-dessus. Mais il n'y a pas but. Subasic, je vais jouer court. Hop, on fait ça. Etcheli J, hein, il a un nom bizarre le mec, hein. Etcheli J, Dieu, je peux. Parce que pour le... Voilà. Ta 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 ta. On récupère. Tranquille. Hop. Allez, Valère Germain. Allez, faut croiser, les gars. Faut croiser. Allez, on croise. De la tête. Oui, c'est le but. Parce que là, je commence à te respecter. On fait un cri qui va durer une demi-heure. Non, plus sérieusement. Voilà, c'est but. Bon, écoutez, c'était pas facile. Juste avant la mi-temps, ça va leur faire bien mal aux Nantais. Hop, c'est reparti, on repique la balle. Allez, on y va pour le deuxième. Allez, on y va pour le deuxième. On déborde. On centre. Oh là 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 là. James Rodriguez, là, il était pas loin. Ah bah c'est la mi-temps. Et voilà mon gars, t'attends 3 heures avec la balle dans la main. Ça siffle la mi-temps. Voilà. Bon, plus aussi, je vais essayer de faire une vidéo sur Call of prochainement là parce que... Call of, je crois que j'ai pas encore sorti de vidéo à part le glitch sur BO2 d'ailleurs qui a énormément marché, qui a hyper bien marché. D'ailleurs, je vous en remercie parce que là, la vidéo en 10 jours elle est à 1500 vues presque. Enfin, non, en 12 jours elle a plus de 1500 vues la vidéo, donc franchement, c'est juste énorme. C'est la première fois que je fais autant de vues en si peu de temps sur une seule vidéo, donc franchement, voilà, c'est juste énorme. Je fais des stats ce mois-ci, c'est la première fois que je fais de telles statistiques niveau vues, likes, commentaires, donc franchement, c'est juste un truc de fou. Je vous remercie. Et putain, la salope! Regardez! Et je vais prendre un carton rouge. Non, mais sérieux! Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Regardez! Attendez, je laisse le ralenti parce que sérieux. Ah, c'est juste épique. Ah, ça c'est les bugs typiques de FIFA qui arrivent pas souvent, mais quand ils t'arrivent, t'es mort de rire, quoi. Oh, le bug. Oh la vache, ah ouais, non, mais c'est vraiment... Vous avez pas vu le bug quand il rentre dans le mec? Moi, j'appuie juste pour récupérer la balle. Et encore, le mec, tellement ça bugue, il aurait pu tacler le joueur, quoi. Bon, alors... Oh là, attention. Non, faut pas tirer. Non, je voulais pas. Bon, c'est pas grave. Germain, bah oui, excuse-toi, bouffon. Alors, oui, donc je disais, je vais essayer de faire du Call of prochainement, des petites parties délire entre potes. Vous attendez pas de la perf, hein, à des nucléaires, à des KEM, à des mobs. Je sais pas faire ça. Plus sérieux, voilà, sérieusement, je sais pas faire ça. Je sais pas comment ils font les gens pour sortir des KEM ou des nucléaires. Je n'y arrive pas, moi. J'ai un problème, c'est mes gènes, c'est mon corps. Il veut pas sortir des KEM ou des nucléaires. Non, sérieusement, j'enchaîne pas plus de 15 kills à la suite sans mourir sur Call of grand maximum. Donc, si vous voulez voir du Call of, voilà, ce sera du Call of dans le délire, entre potes, mais franchement, ce sera pas de la grosse perf. Et encore une fois, on recommence à la espagnole. 1, 2, 3, c'est le but! Donc, de Valère Germain. Je sais pas c'est qui a marqué avant, je me souviens déjà plus. Je sais que c'était à 45ème. Je sais pas c'est qui, mais j'ai marqué. C'est toujours ça. Donc, encore un but de la tête. C'est pas mal. Bon, alors, on tente le 3-0, hein, ça pourrait être bien. Alors, tout. Ah, shit, il y a faute. Allez. Allez, Jean. Allez, c'est parti, on y croit. On va mettre une petite musique, là, dans 3, 2, 1, pour s'ambiancer. On met la musique. Ce son est une dédicace. Allez, c'est parti, c'est parti. On stoppe la musique. Moment de concentration. Moment de concentration. Allez, sur l'aile. C'est parti. Allez. Ah, c'est le but! Et voilà, je vous avais dit, les gens, arrêtez la musique. Vous arrêtez la musique, vous vous concentrez, vous marquez. Voilà, maintenant je vais vous donner un conseil. Si vous voulez marquer sur FIFA, vous mettez de la musique.
vous arrêtez cette musique, vous vous concentrez et vous marquez automatiquement. La musique, ça résout tout de façon dans la vie. Eh ouais, croyez quoi. Bon. Maintenant qu'on est au 3, on va tenter le 4. Oh, 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 la salope. Oh, salope de Brigitte. Bon. Allez, c'est parti, on déborde. Allez, c'est parti, il déborde. Valère Germain. Valère Germain. Je centre. Allez, ça pourrait être fun hein, de mettre un petit 4-0. Alors. Personnellement, là, les clubs de riches, moi, ça me saoule un peu. Bon, j'aime bien jouer avec eux sur FIFA. Parce que perso, quand on joue en mode liaison sur FIFA avec le PSG, je vous jure, on déglingue tout, sérieux. T'as Cavani et Ibrahimovic, ils jouent en 4-4-2, Paris sur FIFA, là, la formation par défaut. Tu mets, il y a Cavani et Ibrahimovic, ils jouent avec 2-9. Je vous jure, ça déglingue tout. T'as les deux titans, t'as les deux meilleurs attaquants du monde, presque, sur une même équipe. Mais sérieux, ça déglingue tout. Le mec, Zlatan, il a une puissance de taré. Bon, il est pas rapide, hein. Mais quand il frappe, oh là là, ça fait mal. Il y en a, ils ont dû pleurer quand ils ont joué contre nous sur FIFA, hein, quand j'avais pas rien. Ça passe à côté, Guignol. Et je me barre. Voilà. Alors... Je ferais peut-être bien aussi un let's play sur Uncharted, le tout premier, Drake's Fortune. Enfin, let's play, on peut pas appeler ça un let's play du coup. Bon, là, je referai le mode aventure en vidéo, ça peut être sympa aussi. Puis ça fera passer le temps les après-midi où... L'après-midi où je me ferai chier plus clairement. Et c'est le but ! C'est son deuxième, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Voilà, c'est encore un but. Donc là, vous voyez, j'ai marqué sans la musique. Donc ça marche aussi sans musique, mais je vous conseille un petit morceau d'Eminem ou de Black M, je sais pas trop. Enfin, pour marquer, mettez de la musique, vous concentrez et c'est bon. Garde, attendez. Garde la fin de frappe que je lui ai fait. Ah, ça vous surprend. Hein. On tire. Non. Oui, non. Salut. Ah, il m'a pris à balle, le salon. Alors, c'est bientôt terminé, mais on va essayer de remarquer. Oh là là. Allez, c'est parti. On centre. Allez, à l'instinct. Non, et ben l'instinct, il est pas bon. Hein. T'as pas un bon instinct, Jules. Alors. Et ben voilà. Et aller voir protéger son ballon. Shit. Ah, vous avez pas vu comment que j'ai tiré comme une bite. Ah, la balle est partie au-dessus. Eh merde, j'ai enlevé le ralenti. Putain. Mais les... Au 4-0, c'est presque la fin du match. Hein. Ah, sérieux. Allez, on lui coupe la jambe. Oh putain, vous êtes... Oh là là. On vient de le tuer, le mec, c'est la fin du match. Ah oui, ils ont sifflé à la fin du match. Et sérieux, l'arbitre, là, il sifflait pas à la fin du match. Je me faisais défoncer. Oh la vache. Ouais, quand même. Bon bah voilà, écoutez, hein, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, désolé, pour le grand match. Donc c'est la troisième vidéo du grand match. C'était AS Monaco FC Nantes. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager sur Facebook et Twitter. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter encore une fois. Donc vous commencez franchement à rejoindre pas mal Facebook. Là, il y a encore eu 2-3 likes dernièrement sur la page Facebook. Franchement, ça fait plaisir. Rejoignez encore parce qu'il y a des concours en partenariat avec Gammoniac qui vont arriver via le Facebook, je le dirai plus en vidéo. Donc via Facebook, il y a des concours qui vont arriver. Donc franchement, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous regretterez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fera un plaisir. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, ça me fera avancer un truc de fou et ça vous prend 2 secondes. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, peace, ciao les gamers. Bullseye.